de puxa rosa. Olha a bolela, tem bolita ganando. Olha a bolela, tem bolita ganando. Olha a bolela, tem bolita ganando. Papa na ye, mama na ye, aleko na ye, sami na ye, kato na bo, kibota na ye. Sans rival, Pascal Bakol, et la plus sombouti, à l'angam, sans rival, Pascal Bakol. Sans rival. Ah oui, Balandi, à son rival, Nakoino Soyamonde et Salinga Mwapasipe Mawa, le plus grand parti politique UDPS Oyoboyebi. UDPS, il y a Afrique du Sud, des ordres des Amakasi, pourquoi? Parce qu'il y a des accusations de part et d'autre. Une poignée de gens au Bomona qui va défiler, qui n'a caméra à son rival, va accuser Bandeko Moussoussou pour complot contre le président élu Étienne Tshisekedi Lumumba Balobi. Comment expliquer que. Président Zana nous vivant, Bazochi a thème l'avenir de l'idée pèse avec ou sans Tshisekedi. Alors vous imaginez vous-même, quand on dit sans Tshisekedi, au moment où il est encore vivant, oui, ça fait très mal. Ça fait très mal. Il y a un peu de comme ça, il y a des pèses Kanda. Et puis à part ça, Bazali, pour accuser Fédération et Afrique du Sud, un complot pour renverser leadership et président Tshisekedi, Bazali est vivant parce que Monique est. Il est au soir de sa vie, alors il faut pas couper ça, bender les bangos bazois la tête. Les fanatiques de Tshisekedi, les Tshisekedistes de l'UDPS contre ce complot, bah, le quoi qui va dévoiler Yango. Alors, bah, déclaration des autres pas dans sans rivalité. B et pas une bandeko oyo, aussi le commun dans la vidéo. Alors, à la lumière, il y a vidéo oyo bandeko basalaki. Pour Nakotali, sa vérité, ma révélation sur complot et salami la Fédération Afrique du Sud. Bandekopé, la Fédération, va organiser une grande réunion à UDPS. Et réunion au Bandekoba, outil de partout. Bayaki, réunion à UDPS et à Lilo. Vraiment, réunion et connaître moi, désordre, bagarre, bitumba. Donc, ils ont moi ma tête. Alors, Bandekonanga, vraiment, Tolanda. Pourquoi? Parce que Fédération, il y a UDPS, va diffuser ma image Oyo. Ils allaient contre Félix Tshisekedi, contre Maman Marthe. Bah, image, oh, yon de Komoka Salakiango, tu habites, Bazo Kimbong et pas Kabila, ton Nengenin. Que non, Félix, ceci c'est là, Bazo Sala complot, et ceci c'est là, bah, maman Tshisekedi, bah, Félix, non, Maman Marthe, bah, Lingi, bah, tout ce que vous connaissez, alors, vraiment, bah, bimise, bah, image, wana, bah, de Konangai. Et salimoua pas si mingi, et salimoua pas si mingi, il fallait qu'il y ait une fédération pour se justifier. Pourquoi c'est là qu'il réunit à Mabé, c'est l'un des bafunda qui va mourir dans des commissions de Moïse, qui est non, parce qu'il réunit pour renverser Tshisekedi. Il fallait plus pas se justifier. Bande Kounangaï, vraiment, tout le monde a Bilili Bissonoso, Bilili Yamawa, Bilili Yakanda, Bilili Yassoni, Bilili Oesali Mwapasi Mingi. Vraiment, tout le monde a Bissonoso, quand à moi, sans priver l'homme du peuple Congo d'abord. Vraiment, la Sengibé Unité, Amour Paix et René Makassi au sein de l'UDPS, que tous ont respecté bien le plus grand parti politique du pays. Suivons tous les images, allez, toi, à part la son excellence de l'hôtel de Tchèque Tshisekedi, tous ces autres-là sont de feu. Ils ne sont plus. Pourquoi nous devons revenir à toutes ces choses que nous parlons tout le jour? Parce que certaines personnes mal informées, ignorant même là où ils se disent, je suis né à l'UDPS, j'ai grandi à l'UDPS, ne connaissent même pas comment est né ce grand parti qui est représenté aujourd'hui sur les quatre coins de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, je voudrais aussi vous souligner que vous allez voir que ce n'est pas seulement l'UDPS qui prend ses modèles. En 1960, quand M. Lumumba a créé le mouvement national congolais, il est regroupé par tous les Congolais de toutes les provinces. C'est ce qui fait la force de Lumumba. Maintenant, vous allez voir, quand M. Mobutu fait son coup d'État le 24 novembre 1965, il suit les traces de M. Lumumba pour enfin bénéficier de cette force.
Ce critère, le candidat a un poste de responsabilité
le candidat a un poste plutôt de responsabilité, doit avoir un domicile, une résidence connue, être en règle des cotisations, avoir une bonne connaissance des statuts, du règlement intérieur et autres instruments du parti. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que les 70% de l'effectif que je vous ai souligné ne sont pas nommés parce qu'ils sont Louba. Non. Ils sont nommés parce qu'ils remplissent ces critères de l'article 31 de notre règlement intérieur. Chers compatriotes, et si des gens qui se permettent à dire des choses qui ne sont même pas à leur âge, à leur niveau, aussi surtout que dans le pays que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train peut-être d'expérimenter comment ces gens sont en train de bâtir cette Afrique du Sud. Hier, c'était une cause à pouvoir. Aujourd'hui, c'est un sous au pouvoir. Demain, peut-être qu'il sera un peu au pouvoir. Mais il est un chef compatriote. La loi Kapoliko, sauf au Canada Kapolinga, au Mouni et Salénia Madame, soit l'amour. Parce que Pé, on peut pas être occupé pour commencer à Salénia Madame, Nanda Kounayo, na vie Nayo. C'est ce qui nous a fait, chers compatriotes, que nous puissions revenir à toutes ces choses. Certes, il était important d'apporter cette lumière. Nous voulons tirer l'attention de certaines personnes. Comme je l'ai dit, la section est mieux placée pour vous aider. Moi, je vous dis souvent, les sectionnaires adjoints et titulaires sont vos serviteurs. À l'UDPS, un responsable est un serviteur de membres. Quand on dit que la faction ne doit pas être compatriote, vous qui êtes combattantes et combattants, soyez prudents. Vous savez combien de fois vous êtes emprisonné dans ce pays pour cette lutte. Vous savez combien de fois vous êtes battu, humilié, ridiculisé, non parce que vous avez violé la vie d'autrui, non parce que vous avez escroqué quelqu'un, non parce que vous avez manqué du respect à quelqu'un, mais parce que vous êtes ensemble avec l'UDPS. C'est une lutte dont l'idéal est l'état de droit, la bonne gouvernance et la vraie démocratie avec le but démocratique. Vous devez ensemble avec moi, plutôt ensemble avec l'UDPS, je tire l'attention de nos compatriotes. Travaillez pour que ce travail ne soit pas fait. Nous devons ensemble, la main dans la main, nous efforcer afin que cette lutte que nous avons gagnée depuis 2011, son excellence, le docteur Tshisekedi Yomouba les a battus avec plus de 70%. Vous savez ce qui est arrivé. J'aimerais un peu vous dire que nous avons un document pour introduire les sujets que vous avez suivis. Certains ont lu à l'internet, comme dans le papier que nous avons distribué, affiché. L'avenir de l'UDPS avec ou sans Étienne Tshisekedi, dernière information. Afin de vous introduire
nous allons ensemble, nous ne sommes pas ici pour dire les sectionnaires nous a appelés pour qu'enfin il nous impose. L'UDPS prône la démocratie. Démocratiser le Congo, il faut d'abord que nous-mêmes, nous puissions réellement sentir ce fruit de démocratie en nous-mêmes. Je disais, nous allons visualiser un élément. Cet élément que nous allons suivre est fait par un journaliste, un spécialiste d'investigation. Cet homme s'est spécialisé dans son métier de journalisme, dans l'investigation. Ce n'est pas un bricoleur qui l'a fait. Suivez ensemble cet élément, car nous pensons que cet élément apportera plus de lumière au thème que nous avons choisi. À part cet élément, nous avons avec nous ici quelques éléments, quelques documents que nous allons aussi remettre, vous les remettre ensemble. Deux personnes vont passer devant, ils vont laisser les livres pour qu'enfin nous puissions, Son Excellence, les mettre une copie à chacun. Soyez d'abord attentifs, suivez cet élément. Et nous ne sommes pas encore au temps des questions, s'il vous plaît. Oui, vous avez la parole. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités. Nous avons reçu un SMS d'être ici. Selon les thèmes dont vous avez affiché sur les invitations, même ceux que nous avons reçus. Vous avez dit que nous, vous allez parler de l'UDPS avec ou sans Tshisekedi. Nous voulons savoir si cela est un dossier qui est développé au sein du parti où on est en train de parler de l'UDPS sans Tshisekedi. Puisque à ce que nous savons, ce dossier dont vous parlons n'est pas à l'ordre du jour dans les partis. De parler de l'UDPS sans Tshisekedi. Celui dont vous parlez, Tshisekedi, c'est un autre Tshisekedi ou bien c'est le président de l'UDPS dont vous parlez. L'UDPS se met à parler aujourd'hui de sans Tshisekedi, de l'UDPS. Nous voulons savoir un peu d'où ça vient. Ça vient de la hiérarchie de l'UDPS qui a donné tout un programme, qu'il soit suivi dans les fédérations, qu'on puisse parler de l'UDPS ou bien de développer, d'en faire un débat. Qu'on puisse parler de l'UDPS sans M. Étienne Tshisekedi, qui est le président du parti. Et puis, nous avons dernièrement suivi que non, il y a eu des collègues qui se sont levés. Mais la base. Messieurs, s'il vous plaît, je le dis que nous ne sommes pas encore autant de poser la question. Vous accusez déjà, vous-même là devant, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont fait l'objet de cette réunion. Alors, entrons dans le vif du sujet de cette réunion, nous voulons savoir pourquoi vous nous avez appelé, pourquoi vous nous avez appelé à parler de nous connaissons l'histoire de
l'opposition ait une réponse à la jeunesse. Et que le sujet est ouvert, il ne faut pas commencer à... Ceux qui sont venus pour la
consciências. Lorsque il y a des fêtes au parc,
Thank you.